Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une chanson de Francis Cabrel, Carte postale. Chanson assez facile à jouer. On aura besoin d'un cap en seconde case pour avoir des accords plutôt simples à jouer. Une rythmique qu'on jouera tout le long de la chanson. Donc, je commence avec l'intro. Il y aura trois parties. La petite intro, les couplets et les refrains. Donc, je commence avec l'intro. C'est parti. Avant de commencer, je voudrais remercier Alain pour son don et j'en profite également pour faire un salut à tous les francophones qui nous regardent. Donc maintenant j'attaque avec l'intro. Alors petite précision quand même avant de commencer l'intro. Pour pouvoir jouer cette chanson dans cette tonalité, il y a essayé de trouver plutôt un live de Francis Cabrel puisque les enregistrements d'époque ne sont pas en La 440 Hz. Donc les accords sont bons mais vous verrez que vous ne serez pas. Il y aura un petit décalage de tonalité. Donc essayez de trouver une version live. Il y en a plusieurs qui tournent donc vous trouverez ça sans problème. Maintenant que ça a été dit, je peux commencer enfin sur l'intro. Alors on commencera cette intro sur un mi mineur, donc 0, 2, 2, 0, 0, 0, suivi d'un ré et du ré sus 2. Alors le ré, en partant de l'accord de ré, ça fait 0, 2, 3, 2. Et pour notre ré sus 2, il y a juste à enlever notre majeur qui était en case 2 sur l'accord de mi aigu. Alors pour la rythmique de cette intro, ça ressemble à un truc comme ça. Ça deux fois. Donc sur le mi mineur, on va faire bas, haut. On étouffe les cordes. Alors je vous l'ai mis un coup vers le bas entre parenthèses sur la tablature qui a téléchargé gratuitement. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc bas, haut. On étouffe les cordes sur le coup vers le bas, comme je vous disais entre parenthèses. Ensuite, de nouveau bas. Donc bas, haut. On étouffe bas. Ensuite, ça fait haut. Et ensuite, on va faire haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et on viendra sur le ré pour faire un coup vers le haut juste et le ré sus 2 un coup vers le bas. Je recommence du début. Mi mineur, bas. Haut, on étouffe, bas. Haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et à vitesse normale donc. Deux fois. Donc voilà pour la petite intro, je passe sur les couplets. Alors les couplets seront tous identiques sauf le dernier, le tout dernier de la chanson avant l'outro. Mais sinon ils sont tous identiques. On aura comme accord le mi mineur. Je vous le joue une première fois et je vous les compose ensuite. Allumez les postes de télévision. Accords mi mineur, on a déjà vu le ré, on aura le ré sus 2 également en variation. Ensuite, ça fera mi mineur do, donc le do en partant de l'accord de la, ça fait 3, 2, 0, 1, 0. L'accord de mi grave étant mute. On aura la mineur également, donc toujours en partant de l'accord de la, ça fait 0, 2, 2, 1, 0. On aura de nouveau un ré pour terminer sur mi mineur suivi de do. Pour la rythmique, vous allez voir que ça va reprendre un peu ce que je vous ai montré sur le mi mineur pendant l'intro. Ça fait un truc comme ça. Bas, haut, on étouffe les cordes. Donc bas, haut, on étouffe bas. Et ensuite, haut, haut, bas, haut, bas, haut. On recommence. Bas, haut, on étouffe bas. Haut, haut, bas, haut, bas, haut. Donc sur le mi mineur. Bas, haut, on étouffe bas. Haut, haut, bas, haut, bas, haut. Pour étouffer, j'utilise la tranche de la main que je vais poser sur les cordes pour faire le dans un mouvement vers le bas en fait. Ça fait bas, haut. Vous voyez, je fais un mouvement vers le bas pour venir juste étouffer les cordes. Pas de schlack, juste on étouffe les cordes. Bas, haut, bas, bas, on étouffe bas. Et ensuite haut, haut, bas, haut, bas. Et on fera cette rythmique une fois par accord sur toute la chanson. Et donc ça ressemble à un truc comme ça sur mi mineur. Bas. Pareil sur le ré. Ensuite, mi mineur. Do.
particularité, c'est sur le ré. On va pouvoir faire un ré sus 2 en variation. Et on fera ça sur, on va faire sur le mi mineur, sur le ré, pardon. Donc ça ferait bas, haut, bas. Et ensuite, on va enlever notre majeur qui est en case 2 sur la corde mi aigu pour faire le haut, haut, bas, haut, bas, haut. Donc ça fera un truc comme ça. Bas, on étouffe, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut sur le ré sus 2. Et donc, dans le couplet, ça ressemble à un truc comme ça. On peut faire un peu le même principe sur le Do si vous voulez, sauf que ça sera en case 3 sur la corde de Si cette fois-ci. Exactement le même principe à partir du coup vers le haut. Au bas, pour la variation. On revient sur un La mineur. Moi, en général, je le fais pas trop sur le Do, je le fais plus sur le Ré. Ensuite, La mineur. Pareil sur le Ré, on va refaire la variation. Pareil, des fois je fais des petits hammers. Alors c'est plus un tic de jeu que quelque chose qui joue dans la chanson. Donc sur mi mineur, je vais faire mon coup de premier coup vers le bas et ensuite j'ai posé mon accord. Pareil sur le Do, sauf que le Do je le ferai sur la case 2 de la corde de Ré avec mon majeur. Et ça, quand je vous dis, c'est plus des tics de jeu que j'ai en ce moment plutôt que quelque chose qui joue dans la chanson. Donc ça c'était pour les couplets, je passe sur les refrains. Alors pour les refrains, je vous le joue une première fois et je vous les compose ensuite. C'est un rameau. On attaque de nouveau sur le couplet. Au niveau des accords, on aura un sol en plus. Donc 3, 2, je joue avec majeur, annulaire, auriculaire. Donc 3, 2, 0, 0, 0, 3. Le Do, on l'a déjà vu. Alors, l'accord le plus difficile de ce morceau, ce sera le 6-7. Donc, le 6-7, en partant de la corde de La, ça fait 2, 1, 2, 0, 2. Suivi d'un Mi mineur, on l'a déjà vu. Un Do et un Ré. La rythmique, on peut faire la même que pour les couplets. Donc, bas, haut, bas. Enfin, le coup étouffé, bas, haut, on étouffe, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, Do. Pareil. 6-7. Mi mineur. Do. Ré. Et en fait, là, on a le Mi mineur qui attaque le couplet. Mais ça, c'est pour le premier refrain. Sur le second et dernier refrain, on jouera un Mi mineur complet, puisqu'on attaquera en fait sur le Ré pour le dernier couplet qui est un peu différent. Et d'ailleurs, je vais vous en parler de ce dernier couplet. C'est parti. Alors, pour le dernier couplet, c'est juste la structure qui est un peu différente et la mélodie aussi. Alors, cette fois-ci, par contre, sur le refrain, on finit bien sur un Mi mineur qu'on va jouer sur une rythmique complète. Et le couplet suivant, donc, allez voir la tablature, ça commence sur un Ré. Mi mineur, un Do, un La mineur, un Ré, Mi mineur, Do, et Mi mineur pour terminer. Avant d'enchaîner sur l'outro, donc je vous parle de l'outro, et on arrive sur l'outro, et donc les accords de l'outro c'est Ré, Mi mineur, Do, La mineur, Ré, Mi mineur, Do et Mi mineur. On répète en boucle jusqu'à ce que la chanson se termine. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette chanson. J'espère que ça vous plaira. Moi, je vous dis à plus pour un prochain tuto. Ciao, bye et prenez soin de vous.